2004, qui était sur les outils et solutions apportées par les politiques publiques actuelles. En attendant, il y avait beaucoup de monde aussi. Et donc, Agnès Bastin, qui est un peu de cette année, de travail, et par contre, il n'y pas de problème. Nécessaire à la mise en place du secours à la réflexion et à la mise en place
après, vous avez tout le temps leur dit pour les délits, et après, on leur dit, c'est mieux, c'est trop bien. Donc, il faut du temps. Et par contre, on sait avec le changement climatique aujourd'hui, qu'il est urgent de vivre. Donc, on a plus de temps. On a plus de temps. Donc, pour les faire tout le temps, il est très important de faire un peu plus de temps. Une autre idée, c'est qu'il y a certaines constructions nationales qui ne sont pas suivies de contrôle, de contrôle effectif efficace. Donc, du coup, c'est pour ça que ça prend vraiment temps. Une autre idée, la difficulté de sensibiliser à l'érosion sur des secteurs qui sont moins soumis à l'érosion. Alors, c'est ce qu'on a dit tantôt. Par exemple, l'obligation d'un diagnostic de contrôle quand on parle des installations classées. Malheureusement, dans les opportunités aussi, un accident exceptionnel qui tout à coup mobilise tout le monde et les instituts à la bien mettre un coup de en route pour ne plus avoir des coups de plus sur la route ou dans les maisons, comme on a fait dans le de avec les équipements. Dans les opportunités aussi, le fait de travailler en méthode ascendante, on s'aperçoit qu'on responsabilise les agriculteurs et que l'ensemble de la culpabilisation et de l'accusation des agriculteurs de la population va être la cause de tout évolué. Dans les opportunités aussi, le fait que le travail sur l'érosion, ça permet de travailler en même temps sur plein d'autres thématiques, comme la qualité de l'eau, dans certaines communes, il y a des rachats de pêche par la commune pour pouvoir appliquer un programme d'action spécifique pour lutter contre l'érosion. Ça nous a pas rendu une opportunité. Deux autres opportunités qui ont été signalées par les groupes de travail, c'est est-ce qu'on ne pouvait pas toujours conditionner les aides, à savoir qu'elles se sont toujours par contre réfléchies. Le fait de conditionner les aides a diminué le risque de déforcer la population. Et le fait aussi de sensibiliser non pas seulement l'agriculteur, mais aussi la famille. Parce que, on en discute plus avec les aides. Et puis donc, malheureusement, tout ce qu'on voit avec le changement climatique, l'accélération des accidents exceptionnels, ça va protéger les gens, les uns et les autres, les différents acteurs pour mettre en place ce genre de choses. Je termine par les menaces. On a vu que les différentes échelles qui nous faisaient passer des points, en particulier sur l'érosion, trois sont toujours à l'âge. Et donc, on a souligné que la décompression des données était compliquée en fonction des gens dans la clé de la clé. Donc, bien être vigilant là-dessus. Je redis, il y a le temps. Donc, la durée longue pour l'évolution du phénomène, ça sera la durée très courte de l'action nécessaire.
se rencontre en tant qu'individu, comme ils sont représentés dans un continent, en pleine histoire et en pleine le sens du territoire. On pourrait perdre le sens de l'histoire du territoire. Donc, c'est aussi un point d'attention. La confusion entre thank you.